Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, abonne-toi directement. Tu me connais pas? Je sais, mais tu t'abonnes, après si t'aimes pas, tu retires ton abonnement. C'est pareil pour le j'aime. Hein, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, ok? Et pour ça, il y a mon étude de cas, si jamais tu le souhaites. Hein, mon étude de cas, je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert, arrêtez de créer à l'arnaque, arrêtez de dire, oh, il nous prête pour des pigeons! Hein, c'est gratuit, tu cliques, je te montre exactement qu'est-ce que j'ai vendu, comment j'ai fait la stratégie, et après t'auras plus qu'à copier. Et voilà, il n'y a qu'à l'école qu'on ne copie pas, les gars. Dans le business, il faut copier. Hein, faut imiter ce qu'on réussit. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, être technique, j'ai rendu un quartier des pyramides à Évry dans 91. Arrêtez de chialer les gars, si jamais tu fais rien, ça fait plus de 3 ans que voyage, c'est pour ça que je te dis ça, pour pas que tu trouves d'excuses. Arrêtez de chialer les gars, si tu fais rien, va rien se passer, et passons directement au sujet de la vidéo. Petite vidéo réaction les gars, on va voir ensemble deux vidéos, une vidéo d'une meuf qui va te montrer pourquoi il ne faut jamais écouter les meufs, hein. Ça, tu connais, hein, faut pas leur donner des conseils, en tout cas pour... Tu demandes pas, hein, comme j'aime bien dire, à un poisson comment pêcher. Et après, la seconde vidéo, ce sera sur une multimillionnaire qui explique pourquoi ça ne sert à rien, son argent pour sa relation. On va voir ça tout de suite. Donc passons à la première vidéo. When is it okay to approach? I think it's okay to approach a woman and at least try to approach a woman if they're out and about, like they were going to a bar, going to a club. But I, like you said, I would definitely not try to approach a woman if they're like at a grocery store or something like that. That's just not a time to do that because we're just living our life. If either of you were looking for a quality man, where would you expect to find one? I think a grocery store would be prime. Wait a minute. We don't want that to happen. Like we're just because we're there in a public space doesn't mean that we are approachable to date you. Elle n'a aucune notion de qu'est-ce que ça demande ou quel est le meilleur cadre pour pouvoir aborder une femme. Enfin, tu vois, enfin, c'est là que tu vois vraiment qu'elles ont aucune notion. Peut-être pas toutes, hein. Comme tu as vu, il y en a une qui a dit, bon, moi, si c'est grocery store, enfin, si c'est un supermarché, c'est parfait, hein. Non, l'autre, elle préfère qu'on l'aborde en club, ça veut dire en soirée. Elle, là, c'est bien. Quand elle est alcoolisée, parce qu'elles font quoi? Elle fait quoi, elle? Elle fait quoi quand elle sort? Elle sort en soirée, pourquoi? Pour s'alcooliser. Hein? Il n'y a que moi qui sors et qui ne bois pas d'alcool. Tous les autres, ils sont en train de boire, les gars. Hein? Donc, elle sort, et c'est à ce moment-là. Quand elle est bien alcoolisée, c'est à ce moment-là qu'elle veut être abordée. Donc, je pense qu'en fait, elle cherche quoi? En fait, ça, c'est des genres de meufs où tu fais un coup d'un soir. Ou elles ne comprennent pas pourquoi. Ouais, je tombe que sur des mauvais gars. Attends, tu veux trouver ton mari en soirée? En fait, c'est quoi le truc? Et en plus, tu vois, elle dit, si c'était moi, j'irais pas le faire. J'irais pas aborter, par exemple, une meuf, quand elle va au supermarché, un truc comme ça, ça me rappelle une vidéo à l'ancienne d'une féministe qui avait dit, ouais, nous, les meufs, on va dans un point A à un point B. Et on veut pas être dérangé. Tu sais, c'est n'importe quoi. Non, elle veut pas être dérangée par les moches. Hein, c'est clairement. Hein, si t'es beau gosse, ça la dérange pas que tu la déranges. Si t'es moche, ça la dérange. Voilà la vérité, les gars. Hein, donc, surtout, ne jamais écouter ce qu'une meuf a dit. Okay. L'autre, évidemment, elle a dit quelque chose qui est intelligent. Ça me paraît quand même mieux de rencontrer quelqu'un quand tu es à jeun. Elle préfère rencontrer des hommes, elle préfère t'aborder quand elle est pompette, quoi. Hein? C'est ça l'expression, pompette. Donc, d'où pourquoi il faut jamais écouter ce qu'une meuf dit. Donc, après, évidemment, tu peux aborder dans tous les endroits. Hein? Tu abordes quand tu as envie d'aborder. Il n'y a pas de règle, genre, tu n'abordes pas quand c'est là, tu n'abordes pas. Quand c'est telle place, tu n'abordes pas. Si jamais tu l'intéresses, si jamais tu lui plais, tous les endroits sont bons. Passons à la seconde vidéo. As a woman who makes seven figures, like my money does not retain my relationship, like my ability to. There you go. If he gets home at 6 a.m., me making breakfast when he gets home is what's retaining my relationship. It's never been my ability to. I'm a Forbes lister, top of my game, but that doesn't retain my relationship. Me cooking from scratch 3 times a day retains my relationship. Ooh, okay. And retains me going on three times a day. Yes, from scratch. I was on Food Network, but like me being able to cook, me being able to upkeep our home and like putting labels on everything, doing weirdo organizing shit is what's retaining my relationship. It's not weird, it's fantastic. Bon bah les gars, on a été coupés, hein? La caméra n'a plus de place. Alors, mais on s'adapte ou pas? On s'adapte, mon gars, rien ne peut nous arrêter. Donc du coup, eh ben, on a le classique quand même, ça fait un moment quand même qu'on en parle, les gars. Qu'on le dit que l'argent, les filles, non, vous n'êtes pas des hommes, hein.
C'est pas là-dessus qu'on vous évalue. Tu vas dire, ouais, non, mais vous voulez une bimbo, c'est ça? Vous voulez une bimbo? Non, c'est pas qu'on veut une bimbo. C'est que, premièrement, il faut déjà que tu sois une femme. Ok, tu sois une femme, et après, si tu veux faire de l'oseille, il n'y a pas de souci. Ça dérange personne que tu fasses de l'oseille. Mais comme elle a dit, c'est pas ça qui fait que ça retire ma relation. C'est pas grâce à l'argent. Pourtant, elle fait beaucoup d'argent quand même, parce que cette figure, ça fait quand même beaucoup. Hein. En plus, elle a dit qu'elle est, si j'ai bien compris, parce que toi, tu vas le voir en sous-titre, mais moi, je l'ai vu en anglais, si j'ai bien compris, elle a dit qu'elle était sous la liste de Forbes. Ok? Et elle est, pourtant, elle n'est pas là en mode, parce qu'il y a beaucoup de meufs qui commencent à faire de l'argent. Elles sont là en mode, elles se la racontent, elles sont là, elles veulent essayer de dominer le gars, etc. Non, elle a dit, elle fait trois fois à manger pour son mari. Bah, donc, tu m'étonnes qu'il va aller nulle part. Même moi qui suis pas un gars de genre, t'as, je veux dire, si t'es ma meuf, t'as pas besoin spécialement de me faire à manger. Mais l'attention fait toujours plaisir. Bref, trois fois elle fait à manger, tu dis, hey, tiens vraiment moi. Franchement, là, en plus elle est là en mode, tu te rends compte là où on en est arrivé, le lavage de cerveau, elle est là en mode, ouais, je fais des trucs bizarres, tout ça, nanana. Elle dit, mais non, en fait, tu fais juste ce qu'il faut faire en fait. Et forcément, t'auras du succès, tu vois. Mais ça, tu vois, ça, les meufs, elles vont pas le promouvoir, ça. Les autres meufs, hein, les féministes, elles vont dire ça, c'est n'importe quoi. Oh là là, mais t'es une esclave, toi. Toi, t'es une esclave, toi. Vaut mieux que tu sortes dehors et que t'ailles twerker et que tu fasses comme Kim Kardashian, tu montes tes fesses alors que t'as des enfants. Monte tes fesses sur Instagram. C'est ça qu'il faut faire. Et si jamais il veut manger, il se commande à Uber Eats. Mais attends, c'est fini. On n'est plus en 1950, là. Faut arrêter là maintenant. Voilà, c'est ça qu'on va entendre. Hein, en tout cas, elle est sous force. Donc je pense que c'est pas une teubée, hein, comme les meufs elles aiment prendre des extrêmes. Donc ça pose pas de soucis qu'en fait une meuf gagne de l'argent, mais c'est sûrement pas grâce à son argent qu'elle va pouvoir garder son gars. C'est en faisant ce qu'elle fait et elle a raison. De toute façon, les résultats lui donnent raison. Je pense qu'elle est très pertinente. Par contre, c'est super rare de voir une meuf qui fait autant d'argent, parce que cette figure, pour ceux qui n'arrivent pas à calculer rapidement, ça fait 10 millions. Voilà. Donc du coup, plus de 10 millions. Ça peut être 20, ça peut être 40, 60, on ne sait pas. Donc en tout cas, elle est consciente. Je pense qu'elle a dû lire des livres, elle a dû se renseigner, parce que je pense pas que c'est quelque chose qui est inné chez la femme de se rendre compte de ce qu'il faut faire. Tu vois. En tout cas, bref, l'argent, c'est pas ce qui retient une relation. C'est pas plus tu vas faire de l'argent, plus tu vas te comporter comme un homme, plus ça va fonctionner. Par contre, super impressionnant de voir une meuf aussi féminine alors qu'elle fait autant d'argent. C'est super rare. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets-moi un j'aime si tu aimes cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu ne l'as pas aimé. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu veux accéder à Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et en plus, j'ai rajouté, en plus de Pirate Marketing, c'est en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur comment investir en immobilier, comment investir dans les cryptos, comment investir, c'est tout, personal branding, dans les startups aussi, comment investir dans les startups. Ok, en plus de ça, tu peux accéder à du coaching via l'incubateur. En plus de ça, tu as accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching. Ok, ça dépend de la formule que tu prendras, tu auras accès à un certain nombre d'heures de coaching. Ok, et tu peux y accéder en plus de ça via ton CPF si jamais tu le souhaites. Ok, ou via ta carte bleue, ce qui m'arrange plus, hein, je vais pas te mentir. Donc si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. L'appel, il est sans engagement, les gars, arrêtez de paniquer. Arrêtez de crier, on lui prête pas des pigeons. C'est incroyable, c'est universel ça, les gens ils disent ça à chaque fois. Et un membre de mon équipe va te rappeler, tu pourras poser toutes tes questions. C'est sans engagement, les gars, voilà. Si ça te convient, ben, on fera le dossier avec toi, on aura accès après à Pirate Marketing. Si ça te convient pas, bah tu raccroches et évidemment tu dis au revoir, hein, c'est la politesse. Hein. Et si jamais tu veux accéder, et si tu accèdes du coup à Pirate Marketing, après les gars, il faut avoir charbonné, les gars. C'est que le début, t'as fait le plus facile. Ok? Après, il faudra charbonner, les gars, et il faudra pas lâcher. Il n'y a pas de bouton magique quand je viens de riche du jour au lendemain. Ça n'existe pas ici. Ok? Donc, c'est tout ce que je voulais te dire. Les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Y'a eux, y'a nous, c'est ton corps.